Maintenant que nous avons vu comment gérer son propre historique et comment le synchroniser avec un serveur distant, nous allons voir comment utiliser ces idées-là pour travailler à plusieurs. Supposons que Alice et Bob souhaitent travailler ensemble sur un projet commun et que ce projet soit hébergé donc sur un serveur GitLab tout en haut. Il y a déjà peut-être un historique qui est ici, et donc la branche qui va nous intéresser, c'est la branche principale, la branche master du serveur GitLab. C'est la petite case bleue qui est en haut. Alice et Bob ont réalisé un git clone. Ils ont donc chacun sur leur machine, donc à droite pour Alice, à gauche pour Bob, un historique avec une référence à la branche master du serveur d'origine, qui est le serveur GitLab. Ils ont également, en jaune, à droite et à gauche, la référence à leur branche locale, ce que eux considèrent comme étant l'état actuel sur leur machine de la branche master. Donc, Alice et Bob vont travailler. Cette fois-ci, c'est Bob qui va commencer à travailler. Il réalise des commits, version 1, version 2, enfin, des DE. Sa branche master évolue. Par contre, il n'est pas à jour avec la branche master de l'origine. Il est en avance. Avec la commande git push, il va propager ses modifications et mettre à jour la branche master sur le serveur d'origine et puis, localement, ce qu'il sait de la branche master du serveur d'origine. À ce moment-là, l'historique d'Alice n'est plus à jour, sa référence sur la branche master du serveur d'origine n'est pas synchronisée. Elle va réaliser la commande git pull pour récupérer les modifications, et ensuite, ils sont cette fois-ci tous les deux parfaitement synchronisés. Mettons que l'échéance approche, Alice et Bob travaillent chacun de leur côté. Ils apportent des modifications, mais des modifications différentes forcément. Donc on a la modification F pour Alice, la modification G pour Bob, et donc ils vont tous les deux essayer de propager leurs modifications. Mettons que ce soit Alice qui soit la plus rapide, elle réalise un git push, met à jour la branche master du serveur d'origine. Bob va essayer de faire la même chose, et là le serveur va dire « hors de question, ton historique n'est pas à jour par rapport au mien, récupère d'abord les dernières modifications avant d'essayer de propager des modifications ». Très bien. Bob va donc faire un git pull et normalement on va récupérer les nouvelles modifications. Alors là, plusieurs choses peuvent se passer. Il se peut que Alice et Bob aient travaillé sur des fichiers différents ou alors sur des zones complètement différentes du même fichier, auquel cas la fusion des modifications ne devrait pas poser de problème. On aura les deux commits et puis un commit qui va être créé automatiquement, qui va être la fusion des deux modifications. Il se peut que ça ne se passe pas aussi bien que ça, qu'il y ait un conflit, en particulier si Alice et Bob ont travaillé sur la même ligne. Auquel cas, Bob devra inspecter les deux modifications et dire comment il souhaite gérer le conflit. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe après, mais à ce stade-là, Bob va régler le conflit avec donc ce merge-là, cette fusion des deux modifications, et une fois qu'il aura fait ça, il va pouvoir repropager ses modifications avec un git push, et Alice va pouvoir récupérer la fusion des deux modifications. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que collaborer, c'est gérer un historique distribué. Chacun a un historique et on va essayer d'échanger des bouts d'historique de façon à arriver à une histoire cohérente. Dans ce que je vous ai montré, Alice et Bob utilisent toujours le serveur GitLab comme intermédiaire. Mais en fait, il ne sert à rien ce serveur GitLab. Alice et Bob pourraient directement échanger leur historique, ça ne poserait aucun problème. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui travaillent de cette façon-là, de façon complètement distribuée. Enfin, un dernier point à comprendre, c'est que tout le monde a un historique. Tout le monde a une copie entière de l'historique, alors plus ou moins un jour, mais du coup, si le serveur GitLab tombe en panne, si la machine d'Alice disparaît, etc., de toute façon, tout le monde a toujours une copie, et donc c'est un système extrêmement résilient. Je vous ai parlé du conflit, en particulier au moment du pull. Au moment où vous récupérez des modifications, il se peut que la fusion ne se passe pas aussi facilement que possible, aussi simplement, et qu'un conflit apparaisse. Pas de panique, en général c'est là qu'on commence à avoir peur, mais je vais vous montrer facilement, avec un petit exemple, à quoi ça ressemble et comment on règle un conflit. Démonstration. Donc, pour vous montrer que résoudre un conflit ce n'est pas si difficile que ça, je vais en créer un artificiellement, et je vais vous montrer comment on le résout. Donc, à gauche, j'ai mon espace GitLab et mon dépôt. Et comme vous voyez, là ici, dans mon README, eh bien, y a une typo qui traîne. À droite, j'ai fait une copie toute fraîche de ce dépôt sur mon ordinateur. Je vais donc aller sur le README et puis éditer pour corriger la typo. Voilà, je peux voir un preview. Tout a l'air bien. Commit changes. Fixing title. Voilà. J'ai fait ma modification,
mon add et mon commit via l'interface web. Si je retourne à la tête de mon dépôt, ici, dans la partie graph, je vais pouvoir avoir accès à mon historique. Vous voyez, ici, voilà, c'est mon nouveau commit. Maintenant, dans la partie de droite, il y a donc des modifications qui ont été apportées sur un serveur GitLab, mais je ne suis pas au courant, je suis en train de travailler de mon côté. Et puis, si j'ouvre donc le fichier readme.md dans RStudio ici, évidemment, la typo est également ici, donc je vais peut-être essayer moi aussi de la corriger. Peut-être avec une modification un petit peu différente, je ne sais pas. Je vais sauvegarder. Ici, vous voyez, j'ai ma modification qui apparaît. Je vais donc faire l'équivalent du git add, du git commit, pour dire improving the title. Oups, c'est une petite typo. Et voilà, je fais mon commit, tout va bien. Quand je vais essayer de propager mes modifications, ben regardons ce qui se passe, je fais mon git push, et évidemment, le serveur distant, comme je vous expliquais, me dit, ben non, t'es pas à jour, t'as pas le droit de faire un push. Qu'à cela ne tienne, je récupère les modifications, et là, évidemment, un conflit. Alors, il me dit exactement où est-ce que ça se passe. Ça se passe sur le fichier readme.md. Je vois ici, au début, mes modifications à moi, les miennes, et ici, les modifications qui ont été apportées à distance. Donc, je vais me débarrasser de ce truc-là. Vous voyez qu'ici, dans mon fichier, j'ai les deux modifications qui apparaissent. Et je vais donc fusionner les deux. Alors peut-être que ma version ici était un peu trop enthousiaste. Peut-être qu'ici il y a un E qui manque. Voilà, peut-être que j'ai envie de passer ceci en majuscule et me débarrasser de tout le reste qui n'est que du bruit. Je sauvegarde. Je dis voilà, ça y est, j'ai résolu mon conflit. Et je vais faire un commit. Merging. Title modification. Voilà, je fais mon commit et maintenant je peux faire mon push. Vérifions maintenant à droite si les modifications ont bien été apportées. Je recharge mon historique. Je vois qu'il y a eu un commit qui a été fait ici sur GitLab, un commit qui a été fait par moi et puis une fusion qui a été fait encore une fois par moi-même. Si je retourne à ce niveau-là sur la page d'accueil et que je recharge, je vais voir le dernier commit à l'instant et puis le nouveau titre avec les majuscules tout bien comme il faut. Vous voyez, résoudre un conflit, c'est pas si difficile, surtout si les modifications sont minimes au sein d'un commit. Si vous avez par contre deux gros commits avec énormément de modifications, ben, va y avoir des conflits de partout et ça va être assez pénible de les corriger. Si vous avez plein de petites choses, par contre, ça va mieux se passer. Donc, maintenant que vous avez vu comment on résolvait un conflit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Git travaille à la granularité du fichier et de la ligne. Donc, si vous avez un seul fichier énorme et que vous passez votre temps à tout bouger dans tous les sens, bah forcément, vous allez créer des conflits avec ce que vos collègues vont être en train de faire. Donc, il va falloir travailler un peu plus proprement pour éviter ce genre de problème. Même si vous savez régler un conflit, autant les éviter. Donc, il y aura un conflit dans un fichier à partir du moment où la même ligne a été modifiée de chaque côté. Et quand je dis, parle d'une modification, c'est même une modification sans importance majeure. Un espace, la moindre petite modification sur la même ligne va créer un conflit. Donc, ce que ça va vouloir dire, c'est qu'il ne va pas falloir s'amuser à rajouter des espaces, réinventer son code, comme ça pour le plaisir, n'importe comment, parce que sinon, on va créer des conflits avec tous les autres et on ne va pas être capable de distinguer des modifications du type quelques espaces par-ci par-là avec une vraie modification de fond, la correction d'un bug, la correction de typo, l'amélioration d'une figure, et ainsi de suite. Donc, il va bien falloir faire des commits différents pour les modifications de fond et de forme. Et pour ça, vous allez utiliser la commande git status qui va vous permettre, une fois que vous aurez travaillé, de dire tiens, qu'est-ce que j'ai modifié là ces derniers temps. Ensuite, avec git diff, vous pourrez regarder quelles sont les parties que j'ai modifiées. Ah, très bien, il faut que je prenne ça, ça et ça et que j'en fasse un seul commit avec git add, git add, git add. Git commit, ça correspond à la correction de tel bug, ça correspond à l'amélioration de l'introduction et ainsi de suite. Ensuite, il y a telle partie. Vous voyez, faire des petits commits logiques, c'est vraiment la clé pour éviter les conflits. Et surtout éviter les commandes magiques censées tout résoudre du style git commit moins a, qui est la commande qui permet de dire vas-y, commit tout ce que j'ai fait sans réfléchir. Hein, c'est vrai que c'est pratique quand on est tout seul, mais alors ça va créer des conflits
irrésoluble avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Enfin, l'autre situation où vous allez avoir facilement des conflits, c'est dans les cas où il va être difficile, dans les cas où il n'y a pas de ligne, par exemple, si vous travaillez avec un fichier binaire. Et dans ce cas-là, la notion de diff et la notion de fusion va souvent être impossible, à moins que vous ayez quelque chose de très intelligent pour faire réaliser des fusions. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser au maximum le format texte. En conclusion, Git, ça permet de faire du versionning. Ça vous permet d'avoir accès aux différentes versions. Avec la commande git hist, vous allez avoir accès à l'ensemble des modifications de l'historique et des branches. Ce que vous voyez ici sur ma droite, c'est un historique d'un projet sous Git avec une petite explication sur chacun des commits, à quoi ça correspond. Vous voyez les différentes branches qui se fusionnent et ainsi de suite. Donc ça passe très très bien, on arrive à comprendre qui a fait quoi et pourquoi. Ça facilite le travail collaboratif en permettant de faire des fusions avec Git Merge. Ça permet de stocker ces modifications localement avec Git Add, Git Commit. Ça, c'est un point essentiel parce que, par exemple, lorsque je travaille dans le train, eh bien, je peux continuer à faire des Git Add, Git Commit. J'ai pas besoin d'une connexion Internet pour stocker mes données dans le cloud ou je ne sais quoi. Je travaille localement et quand je rentre chez moi, Git Push, Git Pull, et le problème est réglé. Donc on choisit quand est-ce qu'on fait nos synchronisations. Bien, dans tout ce que je vous ai montré, il y avait toujours un serveur GitLab, Alice et Bob étaient en train de travailler, avaient les droits d'écriture, mais comment est-ce qu'on met en place quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'on met en place un serveur de sauvegarde? Comment est-ce qu'on gère qui peut lire et qui peut écrire? C'est ce que je vais vous présenter avec la séquence sur l'écosystème Git.